Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue sur InfoClip, la télé de votre école. L'école doit être un monde accueillant. Les nombreuses activités qui se déroulent en dehors des cours font la richesse et le dynamisme de notre école et la rendent ainsi toujours plus accueillante. 5 secondes. Plus vite, plus vite. Les filles, allez, les filles. C'est bon. Représentants de pays différents. Vous voyez que nous maîtrisons ensemble 71 langues. Donc toute l'équipe du CEDOC. Dans cette montagne vivent des Indiens. Aujourd'hui, on a racheté 1500 hectares de terre qui ont été rendus à ces Indiens. En partie grâce à nos élèves, en partie grâce à Jean-Jacques, parce qu'il y a des petits morceaux de terre qui sont achetés grâce à l'argent qu'on a pu récolter en Suisse. Elle m'anime, moi cela fait 18 ans et c'est unanime, c'est à cause d'elle que je suis plus étant. Pourtant, je n'arrive pas à m'en séparer, que je la fuis ou que je l'accepte, dans tous les cas c'est pareil. Après son parcours, c'est à moi de réparer tous les dégâts qu'elle a causés, je lui rendrai bien l'appareil. Thank you.
particulièrement durcir. Et je pense qu'il est important que les choses changent. Effectivement, la relation avec la société impie et pervertie. C'est tout ce que j'ai à dire. Valides ont dû émigrer. Ça fait des bambini, bambini, bambini. Vous avez essayé de manger ça 3 fois par jour. Oh, quel plaisir. Vous pouvez me respirer encore une fois. Que c'est beau. La nuit dernière, je n'ai pas bien dormi. Ma théorie. Air conditionné, parfumé. Tu vas te taire. Caractère. Plus on se trouve laid soi-même. Pour le plaisir de se savoir protagoniste d'une aventure. Quoi? C'est tout juste si elle n'est pas débile mentale. Moi-même la chance d'être un pur produit de la génération Chavannes. Ça, c'est une des revendications qui nous semble importante. Mesdames et messieurs les enseignantes et enseignants, chers élèves, l'ambition qu'André Chavannes a toujours défendue... Avoir suivi et faites bien attention de ne pas tomber dans le panneau. Et merci encore à toi, André.